Aujourd'hui, je te propose une recette de spaghettis de courgettes et dans cette vidéo, je te montre comment les cuisiner. Alors, je vais commencer par retirer les extrémités des courgettes et avec un éplucheur spécial pour faire des juliennes, je vais réaliser des grandes bandelettes. Et en fait, avec l'éplucheur, ça va couper les bandes de courgettes et ça va réaliser des longues juliennes, un petit peu donc comme des spaghettis. Alors, pour deux personnes, il faut environ 3 courgettes et avec les entames qui restent, tu peux les utiliser pour une autre recette. Donc une fois que j'ai mes spaghettis de courgettes, je vais les mettre dans une poêle bien chaude avec de l'huile. Il faut les faire revenir pendant environ 5-6 minutes jusqu'à ce qu'elles soient ramollies. Donc à ce stade-là, elles sont encore un petit peu croquantes. C'est le moment d'ajouter des tomates cerises. Moi, j'aime bien y mettre des olives noires. J'oublie pas d'assaisonner avec du sel, du poivre. Et en fin de cuisson, j'ajoute un petit peu d'ail que je fais revenir 1 à 2 minutes. Donc je fais bien revenir tout ça. Et pour terminer la recette, moi, j'aime bien y ajouter de la mozzarella sur le dessus. Et je finis en ajoutant quelques feuilles de basilic. Et là, on a vraiment une super recette, hyper légère pour l'été.